bonjour à terre toute. Bonsoir à terre toute. Ah ben, auditeurs, spectateurs, surtout de Via Rose, bonsoir à terre toute. Au moins, ça c'est gentil. Nous formons une grande famille. Et vous voyez, pas de nous aussi, nous avons toute une grande famille. Vous voyez, tout ça... Ah ben, c'est la famille Géonazé. Oui, voilà. Elle est au grand couple, la famille. Ben, écoutez, avant de commencer le spectacle, j'aurais quand même voulu vous dire une petite affaire. Vous savez que maintenant, si vous l'avez remarqué, tous les observateurs ont dit qu'en Belgique, il y a deux crises. Il y a la crise économique et la crise du rire. Il n'y a plus personne qui rit. Mais là, plus personne. Il n'y a qu'en Italie. D'où là, je sais, pour mettre le soleil, le Chianti, le spaghetti, le macaroni. En tout cas, c'est déjà bien bizarre. Hein? Mais dans les autres pays, oh là 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 là, c'est la morosité complète. Hein? Il n'y a plus personne qui rit. Et même plus personne qui sourit. D'ailleurs, quand on rit deux coups par an, tout maintenant, c'est le maximum. Hein? Mais vous me direz, il y a des comiques qui font rire, mais il n'y a plus personne qui fait rire. La visée des artistes professionnels ne fait plus rire, sauf le troupe Géonazé. Et, si vous l'avez remarqué, des comiques 4 étoiles comme Charlie Chaplin, Charlot, Laurel et Hardy, ils ne font plus rire personne. Au contraire, il a aberté les gens. Oui, mais ils me demandent ce qu'on a avant. Il a quoi, attention, heureusement, ils n'ont qu'une planche de salut. Nous avons que des hommes, des citoyens qui nous font rire. Et ceux-là, vous savez bien tout que c'est les hommes politiques. À ceux-là, leur puissance de rire est intacte. Hein? Ils nous font rire à larmes. Mais ce qu'il y a bien, c'est qu'ils ne le font pas à esprit. Oui, pour revenir à ça, heureusement, nous avons que ce gugus-là. Ben, il va peut-être nous donner une soirée spéciale pour rénover nos petits pays qui ont besoin de rire. Bon, en tout cas, voilà, je vous souhaite de rire comme il faut aujourd'hui. Ferrand, oui. Ce que vous représentez aussi devant le fond, c'est ce qu'on pourra appeler au début du siècle, ce qu'on est de cours de guéguette. Une guéguette ou pas de vassette, c'est le même, c'est à peu près le même. Oui. Vous voyez que le décor chantant de sa queue qu'on aurait pu trouver en 1900. Mais que le gens qu'ils occupaient... Ils ne sont ni 1900. Ils ne sont ni 1900, ils sont en 1983. Et on va vous dire pourquoi. Pourquoi tout simplement parce que... Vous savez bien qu'en 1900, le gens n'est pas tenu aussi aisé que tout maintenant. Mais malgré qu'il n'a pas tenu de masse d'ailleurs, on a été de courir devant la corongue du Borinage. Et malheureusement, tout maintenant, il faut vraiment venir devant une pièce, devant une salle à ce que se déroule une pièce à part toi. Pour vivre et co-apprécier nos dialectes boring. Alors, vous aurez l'occasion de vivre que tout au long de 4 heures, parce que nous vous promettons 4 à 5 heures de spectacle, à vie aux amateurs, vous aurez l'occasion de retrouver ce qui a pu être le condensé de ces heures de 40 ans de théâtre des noteurs. Et noteurs, malheureusement, il n'a plus de masse devant le Borinage. Non. Non. De parce que le dernier, c'est Géo, il est aussi parmi nous. Et oh, l'inmadranier de se moustrer, oh, l'inmadranier. Il fait semblant d'être. Et il m'a pas dit ce que Géo m'a dit. Ah ben, voilà le premier coup depuis 40 ans que d'assister à un spectateur à un spectacle à part toi. Pourquoi? Parce qu'il faut bien vous dire que tout ce que vous voyez d'où, si vous dans le vie pendant ces cures, nous autres, ça nous a déjà demandé une masse dure de répétition. Il faut nous demander pour lire ce que ça demande de busillage à stiette avant de vous sortir le spectacle. Bien qu'aujourd'hui, il s'est reposé sur ce laurier et nous a fait à nous mort. Il ne sait rien de ce qui va se passer. Alors, on lui souhaite une bonne surprise et bon anniversaire. Et bon anniversaire, hein. On applaudit voilà. Géonazé et tous voilà. Les artistes. Bon. Fernand. Merci. Merci pour lui. Il faut quand même bien commencer, pense oui, dans l'eau commencer, parce que vous allez dire, comment est-ce que nous barbine. Ah ben, on va te l'aider maintenant, tu es quand même oui, le plus ancien de la troupe de Géo. Oui. Et après, tu pourras aller faire ce que tu veux. Oui, mais écoute, on apporte à boire. Avant de commencer, pour commencer, on va vous présenter un artiste de notre troupe. Et vous allez dire, cet artiste-là, c'est ce que nous appelons Nubert Silva à service. Elle a une voix naturelle. C'est-à-dire une voix qui n'a jamais assez travaillé. Elle cante et qu'elle se cure et qu'elle se voit.
Elle est aussi bonne que la rondelette ou dans la rue. Elle a la pâte, Jamy. Fernand, pour autre groupe de petites minutes. Oui. Nous parlons de Bert Silva. Et si de pain, ça monsieur Valère l'enfant en sac qui m'a dit hier. Oui. Valère, est-ce que tu oserais réaffirmer que Bert Silva est de Beaudour? Oui. Bert Silva est de Beaudour. On s'agit de Plachenmas et de Beaudour. Nous il a fait 4 km de Carnion à Beaudour. À Carnion, pour vous présenter Rosa. Rosa David, David. Rosa, bon, Rosa, bonjour. On va quand même d'aller s'assurer. On va d'aller s'assurer une meilleure et boire et con, hein. Voilà. Fernand, il se met ce qu'il veut, il peut s'assurer à côté de Rosa. Christine, elle peut se mettre de l'émi. Bah, c'est ça, Gino, si tu veux. Hein, oh, tu peux. Mais va être accueillir parce qu'on ne tient de masse. Hein. Et Rosa, on est bien mis aussi. Ça va. Hein? Oui, ça va. N'est-ce pas, on est bien mis, hein. Très bien, et on a une bonne paix. Bonne santé, Rosa. À santé, Géo, hein. Oui, mais d'une dénime. Ah, bonne santé. La manquionne, hein. Bon, écoutez pour Rosa. Oui, Fernand. Bon, tout maintenant, une petite interview très courte. Oui. T'as commencé à jouer à quel âge? Dans vos 16 ans, quand j'ai joué dans le troupe au Ritournel. Oui. En première pièce, c'était Prosperine, avec un camarade qui est aussi parmi nous, Georges le chien. Oui, le chien aboie la caravane passe. Et deux autres, bien sûr, qui ne sont plus parmi nous, sont disparus, mais que j'ai une pensée pour eux aujourd'hui. Vous avez une masse d'années, Patrick. Bon, t'as joué combien d'années d'abord avec le troupe Tournel? Oh, 16 ans jusqu'à 19-20 ans, ainsi, à peu près. Après, tes activités théâtrales sont devenues comment? Après, j'ai joué avec Frau Borigne. J'ai joué une paire de pièces pour Frau Borigne. Et après, je suis venu jouer dans le troupe Géonazé. Et tu te plais bien? Oh oui. Ça, qu'est-ce que vous faites dans le troupe Géonazé? On compte, on rit, on danse? On compte, on danse, on rit, on fait tout. Hein. On a mal de plaisir. Hein. Ça, il y a du. Hein. Ça. Il raconte. T'espères combien jouer 50 années? Oh oui, ça, certainement. Ça, tout maintenant, tu l'as. Autre salope est arrêté comme tu l'as. On mourit sur le bloc. Eh bien, bien, bon, donc, tout maintenant, on te demande de canter. Hein, qu'est-ce que tu vas nous canter? Bon, mais de toutes sortes, hein, Fernand. Oui, ah ben, Fernand, si tu permets, là, un mot de baille et un petit con de main. Oui. Parce que, disons qu'au travers de Géonazé aujourd'hui, à jusqu'au 20 ans, la plupart de Canchon, nous avons tenu à commencer et surtout non seulement un hommage aux gens et aux auteurs de Carnion, mais une miette à deux autres auteurs, tels que vous atteindrez dans ce qu'elle va compter, vous allez reconnaître la parole, et si vous s'en vannez, elle vous barre un petit con de main. Alors, Rosa, comme à l'habitude, tu viens de l'émi. Un mot donné, petit con de main, on va te mettre pas devant le micro. Tu sais bien que ça te goûte la chuchette. Et maintenant, on peut dire que quand les artistes sont prêts, Bernard peut bailler écho de ses balles et il se cultive. Et voilà. On applaudit Rosa David. Mais c'est le vérité, tu me rappelles que tu as eu un petit trop de mémoire. Est-ce que vous êtes venu au Mont? Oui, à Mosville. Oui, mais avant, à Carnion. Oui, à suite Carnion. Ah, ben, on va commencer par Carnion d'abord. Carnion, allez, d'abord, Carnion. Ah, Mertels. Mais bien sûr, allez, tu peux commencer, nous allons vous suivre. Allez. Tu es venu à Mont à Carnion, d'avoir plus bio, ailleurs plus que Carnion. Quand on voit c'est tout demi qu'on a derrière là. Avec rien pour mi ma bien tu es toilette. Et puis goûté, ouais, t'as bien, as-tu coquette? As-tu vu un mot à Carnion? De val plus bio, ailleurs plus gay, coron. De val plus bio, coron, Carnion? Oui. Mais est-ce que c'est le plus bio, coron, Carnion? À mon zine, c'est on s'amuse, on gâte, on danse, on rit. Un démence, on manoue. L'harmonica va dans l'onde du jour. Quand vient la nuit, le boutique, son beau
Est-ce qu'on rit souvent à Monceville? Oh, il arrive qu'on braye tout, hein? Parce que vous avez braye avec vos premiers amoureux, il a oui, une petite miette l'eau main. Bah, ça a dû passer tout ça, hein? Et elle sait bien que vous avez une masse de chagrin. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Vous lui avez dit ça que, au travers de paroles, tu as précisé, de Henri Tournel, à qui, un petit passant, nous rendrons une hommage, vu que c'était une auteure borine qui a compté tout. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Vous m'avez fait. De mon cœur de mourir. Oh oui, t'es bien passé. Un pauvre frère, un seul frogneur. D'avron, vous maudit. C'est pour qu'on reste de vie. Mais pour moi, si bon cœur, vous Mais vous avez une fameuse voix, Rosa. Merci. Ah ben, Rosa, t'as l'heure maintenant, Rosa. Vous savez que quand on a soif, c'est vous qui le préposez à la boisson, hein? Le cabaretier. Christine, qu'est-ce qu'on va accueillir tout maintenant? Tout maintenant, ben, c'est Jean Gaudry qu'on va accueillir. Ah ben, Jean Gaudry, parce que c'est ce que tu pourrais appeler l'homme à la baguette. Et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Bonjour, Jean. Bonjour, bonsoir. Ça va bien? Bonsoir Géo surtout. Bonsoir Géo. Jean, on va peut-être poser une question qui reviendra souvent, surtout vers la première et la deuxième partie, vu qu'on ne s'est rien fait passer, tout le monde à la première partie. Comment est-ce venu jouer vers le troupe de Géo? Par accident, mais... Oh, par hasard. Non, mais j'ai commencé à l'âge de 8 ans, et après, bon, j'ai arrêté quand même une 50 années. Et puis, bah, il m'a venu l'idée de jouer avec Jonas. Et bon, c'était ainsi que ça s'est fait. Jean, si vous allez nous conter aujourd'hui, vous pourriez me dire de qui pièce est-ce que c'est extrait? Oui, c'est la fameuse pièce en vers que Jonas a créée, là, Le Grand Louis. Le Grand Louis, oui. Le Grand Louis. Et le titre du morceau? Ah, Denseigné n'a jamais mis de parole, il n'a jamais mis de titre à ce cachot-là parce qu'il l'a fait après. Il l'a coupé à courant sur le coin de table. Donc, ça fait rire, nous autres on allumait est-ce cachot-là un borinage. Non, Seigneur, justement celle-là. Celle-là, ce sera le deuxième. Mais Jean, tu sais qu'il y a de préférence devant les artistes, certains aiment mieux compter avec les micros de supieux et une autre avec devant le main. Qu'est-ce que vous préférez? Devant vous main? Ce sera plus facile. Ah ben, on va lui donner ce ici, tout petit bel main. Et après, on vous le perdra pour le final, ça va? Ça va, merci. Jean Gaudry. Il a tout dit au lieu de fuite, depuis que terre existe. Les yolous franches à mage pour le meilleur, Samis. Ce tien-là, son contrariat, ils sont meilleurs. Quel peigne et de déjà instant infâme, ils ont voté poil d'allumer. Ce tout dit même qui se tocu, aïe le même un avare. Ce tout dit même que foutu, aïe le même qu'al bon tard. Ce tout dit même qui se tocu, c'est même lui le plus grand. C'est tout dit le même que foutu, c'est tout dit le même, pas de vin. Vin le petit comme devant le grand, c'est tout dit le même refrain. Seul bonasse qui se tait avant et aucune plus, maligne. Oui, seul bon deux qui donne espion. Elle qui mâche le sorite. Et seul cieux qui crie le plus haut qu'elle récompense, aïe le mérite. C'est tout il même qui se tocu, aïe le même un avare. C'est tout il même que perdu, aïe le même qu'à le bon sang. C'est tout il même qui se tocu, c'est même lui le plus grave.
foutu cet univers parfum. Mais dire qu'il n'est ni qu'on foutu après souci, elle hein. Elle dit, ça c'est la vérité, parce que c'est ce qu'il m'a demandé de vous dire. Il faut bien vous dire que, genre, une petite précision, il a combien que t'as joué? Il a 16 ans que ce homme-là a monté sur le plan, donc ça mérite une ovation. Maintenant, elle est l'ovo d'un fou, elle a une fleur qui l'atteint, elle s'appelle Adrienne. Adrienne. Elle va se stopper. Chère Adrienne Carayon. Adrienne, vous avez l'habitude de le vite jouer tout vers le pêcher par toi, pour tes pneus doucis, ni chez Géonazé. Mais Adrienne, vous avez eu l'occasion toute la tête de jouer à Radio Borignage. Devant certains sketchs et certaines pièces, et notamment devant certaines histoires d'amour de Géonazé. Une histoire d'amour, une histoire sur le fosse, qui nous a permis à ce moment-là de faire entrer Adrienne vers le gros Bob Ren des amis de Géonazé. Alors Adrienne, il y a trop le trac quand même, parce que je vous le dis à la voix, une fois, elle a déjà peu, mais elle va créer une sac aujourd'hui. Un masse de gens. Bah, il vaut mieux ça qu'une darognée. Il a trop, de deux toi trop. Bon, billet quand même. Oh là là. Et Adrienne, elle va nous conter une sac qui est en français sloum sous les pots de Paris. Elle dit ça, ainsi ça permet aux musiciens qui sont juste devant moi de pouvoir se repérer une petite miette. Mais un patois, ça, mais un patois, ça s'appelle col bleu agrandi. Alors Adrienne, j'espère qu'on vous revira souvent sur la troupe, qu'on vous revira souvent sur le plan. Et maintenant, votre père, que s'ils sont prêts, Marc Libert va donner l'introduction au piano. Et après, on a scouté col bleu agrandi. Une toute nouvelle création, donc. Hein. Telle joie devint fieuse d'avoir de petits enfants. Chaque jour d'elle caresse dessus mes cheveux tout blancs. Ça me fait plaisir, je vide les vies, ceux du soleil de ma vie. T'avons un cœur t'es du bonheur, ayez de toi fleurs jolies. Quand le bleu a grandi, c'est si qu'on a vieilli. Mais c'est de joie d'avoir un pied tout gris. As-tu bien fier, jeunesse me ravisse. Avenez mes petits enfants, de vous parler sur le moment. Donnez-moi une pêche tant que tu conduisis, puisque le bleu a grandi. Et du destin souffrante et une monie qui te s'est vu plaider épouvante, chagrin de valeux yeux. Oui, meuble-là, et tu verras, fera partie pour grand voyage. Et ainsi, je crois compris, assis à de larmes sur le visage. Quand le bleu a grandi, seul signe qu'on a vieilli. Mais c'est de joie d'avoir un pied toute grise. As-tu bien fier, jeunesse me ravise. Après mes petits enfants, vous parlez sur le moment. Donne-moi une pêche puisque vous êtes douci, puisque le bleu a grandi. Amenez-moi, petits enfants, vous partez le moment.
Adrien, le corps vocal, il me chavit qu'elle soit en forme, donc il se paraît que le médicament sur ma c'est bon, on sait bien seul qu'il. Le désert de Dieu, hein? Et là-bas. Bon, maintenant, ce qu'on avait demandé, ici aussi pas de vomi, c'est Bernard et Léon. Parce que ce gars-là, c'est lui qui s'est joué un accordéon à quatre mains. Alors, comme Léon, c'est lui qui va se stopper tout maintenant, et qu'il va me suivre avec Bernard, si Léon se stoppe, on l'attend aussi, parce que... Il va nous permettre de faire la trait d'un sac d'oussi, donc Bernard, tu peux te stopper. Et Raymond de Moulin, parce que tu signales qu'il a deux batteurs aujourd'hui. Le dernier batteur à titre, il s'appelle Bernard. Le premier, c'est Raymond de Moulin, celui qui va se mettre maintenant à la fière. Et d'atteindre mes deux amis, Léon et Bernard, on les applaudit. On applaudit les artistes et l'orchestre. Bon, maintenant, on va quand même vous mettre les micros. Un mot, vous le tenez pas devant. Mais oui, un peu mot. Un peu mot. We'll be right back.
vos accordéonneux, à ce que vous êtes prêts à jouer ainsi à deux mains. À la maison d'Ofu à Dumas. Oui, là. Et elle ne saigne rien qu'elle dit, hein. Et alors, mais vous jouez ainsi. Depuis l'âge de 6 ans. Déjà même pas à 12 ans. Avec vos camarades. Avec lui. Ah ben, demanderez quand même qu'au travers. Une bonne dizaine d'années quand même, hein. Une dizaine d'années que vous jouez à deux mains ainsi. Ah oui. C'est difficile tout de même. Ça s'apprend, c'est une habitude à prendre aussi. Au travers de l'Aïo Doucy, j'aimerais bien qu'on applaudisse non seulement l'Aïo, mais seulement tous les accordéonistes. J'ai pu remarquer qu'il y a 4 aujourd'hui qui nous accompagnent. Alors, c'est tous les ceux qui sont venus chez l'Aïo. Alors, un applaudissement spécial pour les accordéonistes. Armand, Léon et Tony. Et sans oublier Raymond, le batterie, bien entendu. Et nous, amis Raymond, bien sûr. Oui, oui, tu peux aller à la place maintenant. Prête à local source, c'est que tu peux aller. Maintenant, il a un sac qui a chufflé. Qu'est-ce que c'est un homme là? Elle pense qu'il est devant le cul de le sel, alors s'il a vu au potier pays poursuite, il s'est retourné. Elle pense qu'il doit être devant à peau près. Il est l'eau, faut me ravir ce qu'il est dans l'âge qu'il fait. Mais des pieds dès que ça ne fait. Ouais, madame! Madame! Vous ne voulez ni venir qu'ici? Avenez, peau! Me ravine comme elle se frouchine! Où est-ce d'aller? Me débieux idée de reconnaître le nouvel servant du curé! C'est lui? Mais c'est que la belle, hein! Mais. Mademoiselle, d'après vos papiers que j'ai lus, parce que d'être près de toi, renseignement à l'entrée, est-ce qu'il faut vous. Vétion ami, est-ce que je dois vous parler un français boring ou ben un français flamand? Non. Non, mais je parle bien les boring, hein. Et parce que j'ai ouvré à menir pasteur. Oui. À mot du pasteur. Ah, à mot du curé, mot du savoir. Un flamand digne pasteur. Oh, yeah. Yeah. Oui, et moi, avant, j'ai travaillé à l'hôtel. Vous êtes une femme d'église, mais donc vous rescurez que l'hôtel? Non, menir, moi. Au Big Ben Bar, hôtel. Ah, mieux l'hôtel AUT, mais à l'hôtel avec les chapeaux. Oui, oh. Hey. Nix good. Nix good. Moi, travailler au Big Ben Bar, hôtel rue Larousière, à Mons. Seigneur de la rue de Boussu. Non, me dis, moi, pas connaître toi. Ah, j'en ai assez faire là non plus. Oui, maintenant, moi, j'ai travaillé avec un pasteur très gentil avec moi. Elle m'appelle toujours Minette. Minette. Elle s'appelle Amour. Ah, et quelquefois, voilà. Oui, crier après moi. Tu elle vois, me rappelle d'une certaine pull chérie qui se l'oumou chérie. Oui, ça, c'est la servante avant moi. Ah, c'est oui, vous c'est... ma tante. Non, pas ma tante avant moi. Non, moi, c'est Flamin. Ah, bon. Elle est de Vacresse, hein? Oui, oh, oui, elle est de Vacresse. Ah, bon, elle est de Vacresse. Mais... Je pense, vous êtes venu toute seule? Oh non, j'ai Albrick avec moi. Ah, vous êtes venu avec vos noms? Non, Albrick, c'est ma kid, ma enfant. C'est un enfant. Ah bon? Ma kid. Tu sais bien, il y a le flamand, un boring, il y a bien, mais un flamand. Bon. Non, moi, non, pas venu avec homme. Pourquoi est-ce que vous ne seriez venu avec vos noms? Il fait pause. Non, moi, j'ai commoigné. Une ah, bon, la baigne d'homme. Le papa Albrick, j'ai commoigné. Mais pourtant, quand un feigne... Oui, mais c'est parce que moi, j'ai pas vu, il faisait noir. Et vous n'avez vu la couleur de ses cheveux? Ah non, parce qu'il avait la casquette sur son tête. La longueur de ses pieds? Oh, mais c'est de la visée, hein, il avait ses yeux. Et tu sais qu'on s'est isolé? Non, ses yeux, j'ai pas vu parce qu'il avait grosses lunettes. Ah ben... Ah! Malgré tout, vous pensez vous d'aller me régler nous? Oui, juste à côté de toi. Tu plais bien, mais. Mais. Attendez, on peut qu'on vous évite. Où est-il? Il a le vent et un homme avec une rose. Vous pourrez d'aller le vivre, potier. Oh, il est bio. Il est bio, ça veut. Ah. Qu'est-ce que c'est? Admettez, va vous le présenter. Venez avec moi, hein. Vous avez vie. Yeah. Et après, je pourrais encore revenir avec Albrick. Parce que moi, maintenant, c'est l'heure de donner tes têtes. Bon, écoutez, ne le baignez sur le sein parce qu'après, on va qu'on nous critiquer et dire non, qu'on fait. Non, petite bon. Tête. Oui, de le voir, de te dire si c'est. Bon, allez, avant chaud. Avenez vite, Rose. Mais avenez. Il est là. Avenez d'aussi. Avenez d'aussi, l'homme. Comme une. Comme une. Oh, petit. Moi,
veut dire Big Ben Bar Hotel. C'est le vérité. Si. Jamais. Si, moi je connais. Oui, moi je connais. Toi, un petit los. C'est le vérité. C'est lui qui a deviné. Bon, il faut voir ce qu'elle dit, hein. Mais non, moi, pas reconnaître, mais parce que, et oui, comme tu dis, avoir grosse tête. Mais maintenant, moi, devenu très sage. Hein, mais vous avez une belle côte, vous, là, hein. Mais, regarde un peu. Tu peux tirer une fois. Oh! Ah ben, Midette, où vous faites... Moi, je suis honteux, hein. C'est pas bien faire ça. Ferrier, c'est tant pis, elle va ouvrir. Allez, on s'est ouvrir par là. Regarde, mon sacoche. Micro. Donne-moi mon sacoche. Oui, baba. Bravo. Elle a là, vos sacoches. Allez, tournez par là maintenant. Peut-être oui, dans les fils. Toi, pas trop brut avec moi, hein. Okay, ben, en fait... T'as vu la copière du Scott? Et il l'a pas. Tu vas t'y retrouver devant le micro. Oui, on va se trouver et maintenant nous allons nous calmer une petite miette. Un mot d'aller le pied du micro parce que tu sais bien qu'il a une femme qui me fait deux bio aux yeux de velours. Et ils m'ont demandé à Jean-Michel et Decour, vu qu'ils m'avaient demandé, et Decour faut romantique, de val bleu, de val rouge, pour faire une sac sur scène à ce faux bio. Alors, on va demander à Emilia, parce que, mais va vous dire pourquoi est-ce que tu confonds. Emilienne Curon et Adria, c'est de gens qui cantent avec des voix fou haut perché, mais qui cantent fou bien. Alors, moi te dis d'aller qu'il pied du micro, Christine, tu pourras pas t'occuper d'Emilia, non? Ah, tu vas d'aller quel micro? Elle le met. Tu ne me mettras pas de vers l'essence, tiens. Ça arrive, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes émutés toutes. Emilia, il a combien ce que vous avez canté pour Géonazé? Il est épuisé de repère. Depuis 1962. Et pourquoi 1962, Emilia? Ben, parce que quand j'ai quitté le troupe Géonazé, j'étais dans mon job. Et c'est pour cela que vous avez quitté? Oui. Vous êtes binaise là, vous faites ou bien? Ben, ça ne se regrette mieux. Et bien, tout maintenant, vous êtes là? Oui. Comme tout le monde. On a venu trop le track? Vous vous. Oh, si. Le track, tout le monde, il est là. Hein? Mais si vous comptez. Elle l'a déjà à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez joué à ce moment-là? Oh, des coumaches pour Fantôme Gus. Elle veut venge. Elle grève de blanc bouneux, motel catché, être visée. Vous avez joué Chong 6? Oui. Ah ben, je pense qu'on doit prêter un extrait d'une de ces pièces-là. Et puis, nous n'attendrons pas que Marc Libère au piano, vu qu'elle va nous jouer le valse de Paris. Nous demandons à Marthe si elle est prête. Marthe est prête, elle me fait signe que oui. Christine, nous allons nous assis tout bonnement. Emilia va s'approcher à 10 cm, elle fait une guignette à Marthe. C'est signe de bonne aventure. Et maintenant, Emilia, en route pour le valse. On l'applaudit de Paris. Pour la courage, hein. Mais quand le chagrin de vos yeux vieux busquent à vos cœurs, c'est des malheurs. On était qu'au ces discours et les folles promesses du grand amour. Mille mots doux que vous disiez tout bas, un perdant tout bellement de vos bras. Sur le camille, s'il refrigne des larmes quand fusille sous nous. Si bien vrai mal content quand aux vies envoltées et nos cœurs avant de vétang, au premier rein de vous, comme au premier baiser de vos chants est-il madou. On est pris d'ivresse si
une mur à l'horizon, c'est une aire de cochon que le vent. Yves-nous à la maison avec mine souriante, c'est une vraie cochon. Comme c'est bio quand on fricote, il n'a rien de plus charmant qu'un bâton. Tous les jets visés de l'intédon, c'est de la jalousie comme un squaton. Même vie et congire, dès maintenant du chagrin quand musique. Si bien vrai, mal beau temps, quand on se vit en voiture et nos cœurs avant de vétang. Au premier rendez-vous, comme au premier baiser, la mouchon est-il ma doux. On est plus d'ivresse si elle est si bleue sous le charme des promesses. C'est merveilleux, voilà l'amour, tout l'amour, quand on jure de s'aimer sans détour. C'est bien vrai, mal bon temps, l'heure bleue qu'on aime autant, quand nos cœurs à faux de vétan. D'un tel premier serment, de revoir les bien moments qui ne reverront plus jamais. Ce qui mûre à l'horizon, c'est ce ténère de cochon que le vent importe. Emilia, Emilia, ça fait 20 ans que vous avez compté ceci. Ça fait 20 ans. Eh ben bon, ça, as-tu saisi? Est-ce qu'on peut faire autrement que de faire bis? Pourtant, je vous assure qu'on n'avait rien prévu. Mais nécessité fait loi, puisqu'il faut au percours. Et quand il venait à la maison, avec une mine souriante, c'est une vraie cochon. Comme c'est bio quand on fricote, il n'a rien de plus charmant qu'écœur et bâton. Tous les jets visés de l'intérieur, c'est de jalousie comme un squaton. Même vie est conduite, dès maintenant du chagrin quand musique. Si vieux frais mal pourtant quand au premier rendez-vous, comme au premier baiser, la mouchon est-il ma doux. On est plus d'ivresse, le ciel est si bleu sous le charme des promesses. C'est merveilleux, voilà l'amour, tout l'amour, quand on jure de s'aimer sans détour. C'est bien vrai, mal bon temps, l'heure bleue qu'on aime. D'un tel premier serment, de revoir les vieux moments qui ne reverront plus jamais. Mais la tristesse est bien revenue pour me rester. Ce qui ne mûre à l'horizon, c'est ce ténère de cochon que le vent. Bien mérité à mon avis, parce que je dis à l'homme, malgré qu'il a 20 ans qu'elle n'a plus canté devant les pièges, ben, elle a connu du coffre, alors Emilia Curon, c'est quand même une fameuse félicitations. Pièce, une fameuse pièce pour les pièges à Wallon, quelle pareille voix se cantonne. Mais c'est déjà bien que Marthe Libère va l'employer. Marthe. Marthe Libère va l'employer à la chorale de Carnion.
On applaudit et tout, Marthe Libert, parce que c'est une pianiste si, formidable. Si vous entendez tout ce qu'on a été aujourd'hui, c'est grâce à tout le jazz que vous vivez d'ici. C'est une minute un chef d'orchestre du bazar. Hein. Ben, ils sont tous les chefs d'orchestre et suite l'une l'autre, justement. Maintenant, Brigitte... Brigitte Alvaratri. Mais maintenant, c'est Monique qu'on va... Qu'on va ah, venir. La Monique qui arrive. La Monique est... printanière. Monique, elle est en forme, je pense qu'elle va être en forme, elle a une tenue printanière, justement, comme tu dis, pour nous conter la fameuse rose blanche. Et c'est presque, si vous pourrez appeler ça, une transcription de rose blanche, éventuellement. Et c'était gros chagrin d'amour, comme Brigitte... Ça m'a frappé, c'est vraiment possible, hein. Comme Monique me dit, et c'est vraiment un chagrin d'amour qu'on retrouve devant une pièce de Géonazé qui s'appelle Cocaine d'amour. Cocaine d'amour, et disons qu'il a du mitigé. Il a Julie et Yves Flamand, il a Cocaine d'amour. C'est des pièges courtois devant l'un et l'autre piège de vos yeux. Et aujourd'hui, Monique, je pense qu'elle va nous le conter. Alors, Monique m'a demandé de lire le micro sur pied, c'est bien ça? En main. En main, ben, on va vous le donner. Elle peut prête, hein? Voilà. Merci. Allez, vous pouvez compter maintenant. Quand Marc sera prête, bien sûr. Oui, la trouillage de faire. On va profiter de ce moment-là pour destouiller une petite minute le fil, parce qu'il est fameux trouillage. Bon, mais tout maintenant, elle peut compter, hein. Égal que je m'ai aimé et il aspira de tendresse. Il a rien fait, on l'a tête octée. Tout le monde a ça de vin jeunesse. On manque d'appétit et on a donné sur que vous joyez être longue du monde. Pour aimer Dieu, on s'est morfondé, elle que la feigne des baisers. Mais v'là que Dieu, vient le moment, on raconte à Dieu qu'on a. Jolie, qui te voit en Dieu maigri, s'il te laisse t'inquiéter, et Saint-Georges maladie, qui bouleverse vos vies. On jure de s'aimer, de veiller baiser. Et on se promet toutes sortes de choses. Refus des parents pour la séparer. Un grand amour car vie d'une rose. Et tout petit belle-main, v'là charine qui vient. Au point d'avoir une peine immense. De vingt longues nuits. Plein de silence, c'est une carte de larmes sur l'oreiller. Mais on espère qu'avec un temps, tout s'arrêtera mieux que maintenant. Il arrive quand elle vit et vos estés poèmes si cochon et joli qu'est toi en Dieu aigri et s'il te reste un tête et
simple de maladie qui bouleverse vos vies. Même la fille des roses depuis et moi atteint de me sentir aussi morose. Maintenant c'est mieux de le sentir. Bis de terre toute à Géonazé et elle travers des fleurs au c'est ses boules pour remercier l'auteur de ses 40 ans de théâtre. Merci Géo. Tout maintenant, ben, mais vous dire que c'est au suivant. Au suivant, Christine, mais le suivant, tu vas voir que tout maintenant, tu vas voir qu'une miette au cours, le gens qui sont sur le scène, ils vont quitter une miette à la fois. Tu sais pourquoi? Non. Parce que nous allons commencer à remonter le temps. Et nous allons remonter tout petit bolement vers 1900. Et 1900, d'abord, hein. 1900, tu vas voir que ça va être le signe d'un piège de géo qu'on a joué une année au moins. Il n'y a pas de pénant. Ça s'appelait une bouteille à l'huile. Ah, le gars se rappelle. Si la voix est sortie, Lactance, ah ben Lactance, on va lui demander de s'avancer. Lactance, il est dans la coulisse et on entend Robert Roland. Et tout Claire Savary, Yvette Thibault et Brigitte, Brigitte Boucher. Lactance, est-ce que vous êtes informé au gré que vous êtes revenu de 1900? Oui, comme un homme, oui. Il a un air de 1900 qui vous frappe d'ailleurs, les années 1900, c'est l'air. C'est la belle époque, hein? C'est nous maintenant. C'est non seulement la belle époque, mais est-ce que c'est la belle époque même pour les ouvriers? Bon, non, pour les ouvriers, non. Hein. Non, malheureusement, non. Et disons qu'on va vous permettre, pour le côté, Christine va avoir une chaise. On va mettre une chaise à Claire à côté. Et Claire va prendre place de l'autre côté. On va ressacquer le pied parce que ça ne fera plus 1900. Voilà. Claire, quand d'ailleurs fait cabaretier à le mariage de guerre, elle a retenu le manière, hein, Claire? Et dans la bouteille à l'huile. Et dans la bouteille à l'huile, vous avez fait le mariage de guerre et tout. Ah, oh, quand même mieux. Et hein, cabaretier et tout. Oh là là, ça va mou. Non, Christine, il faut bien se dire que ça se situe à la même époque, devant la même ambiance. Mais est-ce qu'on s'est marié devant la bouteille à l'huile? Hein? Est-ce qu'on s'est marié devant la bouteille est-ce à l'huile? Est-ce qu'on s'est marié? Est-ce qu'il a eu des mariages à la bouteille à l'huile? Donc on peut dire qu'il a eu des mariages dans le guerre. Bon, Robert, vous êtes là bien mis, vous pouvez juste être assis. Et là-bas, tu vas y faire mou. Ah, vous avez soupe. Qu'est-ce que vous avez mangé? De couilles de Suisse. Et des bulles Guinness dessus. Ouais. Et est-ce qu'il a vaut déjà sous l'âme, 1900? Non, malheureusement. Non, non. Oh, il y a deux. Il a mangé oh, de patates à le palard. Et il saurait. Il saurait. En 1900. Et il coupe quoi, deux? Et il coupe quoi, deux? Il me donne le tiette et le queue. Ah, bon. Oh! Et qu'est-ce, que, et qu'est-ce que vous faites avec? Ah, le chichot. Pour toutes vos semaines. Ah oh, oui. Oh, oui. Ah ben maintenant, Robert, on va vous layer et le Jean a rougné du mot de Kounouat, le temps de cerise. Et maintenant, Robert, on vous laye et à tout à l'heure pour 1900. Mog.
grêle est prête, ma grêle dure ouvrage. On a le cœur qui bat, devant tout le tracas de nous surmenage. On ne sait plus aimer que d'une seule manière. Nous sommes abrutis, rompus et vieillis. Et nous meurs tout juste, et regards sur nos terres. Nous sommes encore sans âme, que plus rien sourit. Pour nous autres prouver que nous sommes encore des hommes, nous sommes des enfants, que déjà en avant l'ouvrage les assomme. Ailleurs le temps s'évent, ce linge qui grignote, on se règne compte que nous vieillissons. Nos terres chéries, pleines d'anecdotes, nous livrons prière quand nous partirons. C'est une canchon qu'on cantonne. Tu comme micro parce qu'à 19 ans, on y a un micro. Hein? Oui, ben, c'est une canchon qu'on cantonne masse à ce moment-là. C'est oui. Tord de cerise. Tord de cerise, oui. Et c'est les paroles de Géonazé. Et c'est les paroles de Géonazé. À ce temps-là et tout. Il est quoi le chou du curé? Ben, on vous remercie. Et tout maintenant, on va faire venir Tulsen. Elle taffe. Elle taffe. Elle taffe. Elle taffe. Et une illusionniste. Vous avez une baguette et tout. Ah ouais, elle fait marcher tout le monde à la baguette, sans problème. Ah, oh, mais le taffe parmi nous, elle taffe parmi vous. Mais que ça me fait plaisir que le taffe est venu nous vivre aussi. Mais c'est lui avec qui il est venu vivre, c'est Norbert. Ah, non, Norbertine, Norbertine. Vous vous tapez déjà ça avec le vieux grand-père d'où là. Rien du tout, elle taffe, c'est cet ami. C'est non, ma femme, hein. Rien du tout, rien du tout, elle taffe, il est venu d'un cabaret. D'un cabaret. Un de vous disputez, parce que demain va, vous le cantez. Eh bien, quand elle taffe d'abord. Quand ça bien plaisir de revise du large, tout le visage qu'on voit voltier. C'est un agrément, vous pouvez croire, tout l'auditoire, c'est un bien. Les femmes, les hommes, respirent un arôme, sont prêts à m'esquatter, mandant pour m'y canter, succès qui va les éjoler. As-tu canté que vous aimez, ayez que vous applaudissez, mais bien refraigne, cœur de l'agmeigne, avec le cadavre, quand te souviens. As-tu canté que vous aimez, avec vous te sont quand vous vivez. Tu en programme, fait un réclame, un temps s'est mis, l'artichérie. Demain
Bob Rock fait le tour du monde, puisqu'à la ronde, on ne veut former. Dessus un tour d'admiratrice, car mes services fait le chichi. Faites-vous le confesse, c'est de l'allégresse, jamais n'arrompasse, d'œil étant adoré, par le foule que tous y âme bien. C'est quand que vos aimez, ayez vos applaudisseurs, le bien refaigne, le délec meigne, avec le cavin, quand tu souviens, tu gardes que vos aimez, avec vos stations quand vos billets, tu en programme, fais ta réclame, à ta famille, la petite famille. Tu cantes que vos aimes, et avec vos applaudisseurs, avec les programmes, fais tes réclames, elle t'a fémi, la t-shirt. Mais Claire, vous avez l'air de bien de le taf. Oui, oui, ben, parce que c'était un compte qui a gagné pour venir à me cabaret. Ah oui. Et comment ça se fait que vous connaissez? Je suis du quartier. Oui. Est-ce que vous vous demandez? Ah, ben, mais d'un mur à Carnion, évidemment. Et comme je venais tout dire à ce cabaret cette journée, automatiquement, dès continué, et comme je suis devenu le grand chanteur de charme qui fait une tournée mondiale, et décise bien là-dessus, une tournée mondiale, dans tous les villages de Parsi. Donc, c'est que... Ça veut dire, c'est dernièrement. Dernièrement? Oui. Au cul du Gvaux. Ah oui, voilà, au cul du Gvaux. Au cul du Gvaux, tournée mondiale. Vous avez une masse d'admiratrice, hein, toi? Oui, peut-être, mais c'est lui qui préfère, il me l'a dit. D'être le maître d'engagement que de ce même putain qui est trop le maître. Bon, ça va parce qu'on sait bien que le taf est énorme à femme. Mais devant vous cabaret, la côte des autres illusionnistes, hein? Oui. Vous connaissez? Ben, dans le salon, il y a bien vous le dire, mais ils vont venir. Ils vont venir? Oui. Ah, est-ce qu'ils sont? L'eau vaut plus long. Vous avez un gadget, vous êtes sûr? Ben oui, il fallait. On l'a oublié. Mais Faucine, bonjour, mais Faucine. Mais depuis dès que ce grand-mère Philomène, elle femme de Monsieur Théodule. Mais pour qu'est-ce qu'elle dit, mais Faucine? Ah! Faucine et Philomène. Faucine, Philomène. Mag vous te propre fille. Mais vous êtes tout mémé. Ah, mais ça me toilette de d'image. Mais quel âge que vous avez? Ah, ben, elle m'a vassu une anonne 3 ans. Qu'est-ce que vous me donnez là? C'était frisco à chuché. Avec baston au chocolat. Il faut parler vers souci. Oui. Il faut parler maravillé. Et vous pouvez même compter vers souci. Mais qu'il y a de belles inventions quand même. Vous te saisissez de vivre tout cela. Autant passe, on vit, on y a tout souci. Et de la lumière, ainsi, d'avoue. Mais pour qu'est-ce que c'est qu'on en fait tout souci, mais bien passé en face, ailleurs-tu rentré. Mais c'est pour les 40 ans de théâtre de Géonazé. Géonazé. Il est là, il est là. Mais je l'ai connu, ça veut dire. Vous l'avez connu? Oh, je l'ai bien connu, hein. Ouais? Oui. D'ailleurs, dès qu'on s'est assoiré, il n'y a l'homme. Aïe, au cul du que vous et tout? Non. À Ouamue. À Ouamue? À Ouamue. Et qu'est-ce que vous avez cette vie? Au de spécial. On joue. À peine de me il a de soissons. Ah non, mais si vous parlez tout, dites-moi de me rappeler. On va aller plus, hein. On joue, il a une gaiole. Et la gaiole. Ah, gaiole à zozo. Ah ben ça est bio. D'ailleurs, ça est tout dit bio, ce qu'il fait. Mais qu'il nous a... Et vous savez bien, un cache après, papé Théodule. Mais attends, de cette vie, tu le commènes,
On m'a dit qu'il est au cap par votre carnion qui doit arriver. Il buvait qu'on paye dans ce oui, mais mon signe, on a Ninsaki qui peut aller le quai à notre il cache après. Il va venir après, il va venir. Il va venir après, un peu moins. Il m'a mordu pour me marier en voli. Voyez. Ah, quand tout. Il a le même âge que vous. Il arrive. Il m'a donné l'aide, vous m'a donné le voile. Ah ben, en faisant que. En faisant que. Ah, bon. Ouais, t'es ordu, l'ordu, là. Ah, à scout. Elle l'a si. Oh. Oh là là. Oh là, papa, petit odule. La théodule. La amoureux, Carrie. Ne dites rien à personne, ça veut. Amenez. Mais qu'est-ce que vous racontez? Philomène! À votre raconte, Théodule, que vous cachez en premier, hein? Aïe, tu es venu me pourmener parce qu'une belle fille, elle est comme mauvaise. Ah oui, elle. Bah, je t'en fous, trop, je joue là! Oh! Elle me fait mage du boubou à longueur de journée. Du boubou, mais Philomène! Ma que oui, du boubou! Vous n'avez ni biftec? Mathieu. Ah, ben, t'as envie de manger, non plus d'un. Mathieu. Mathieu, constipé, on veut le boubou, hein. Vous passez. Mais qui pété. Mais qui pété, quand on arrive à l'âge. À l'âge des dieux, hein. Oh, Seigneur, qui pété. Oh, oh. Belle. Quand on attrape de l'ange. Pour de vieux bieux, infâme, okay. Démi, permu, ménage, parce qu'on surveille tout le temps. Si, à tous, à millette, on donne un bille, à sirop. Aïe! Si des montiètes, on dit que elle parle de trop. Oh, que pété, d'un pas pu n'est rien fait à mort. Que pété, aïe, on vient dire que grado. Oh là là, que as-tu rationné sans arrêt? Que pété, ce malheureux quand on devient vieux. Ma que pété, on prive des mots chaudes viandes. Que toit d'arro. Un saquet, on crie à l'épouvante, comme bouillon critait. Oui, deux, as-tu 20 litres, un bouillon à me bien. Oui, mais, à drôle cul par nuit. Tout comme mes jaunes bides. Que pété, d'un peu jamais je fais amour. Que pété, aïe, on vient dire que j'adore. Que pété. Sans arrêt, qui paquait sa malheureuse quand on vient.
passionné sans arrêt. Que peut-être ce malheureux quand Restez près d'Arcoumache. Est-ce que vous voulez refaire et couplet, et refrain avant que le Dalis met juste boubou? On prie des morts chaudes viandes, des guattaro en saquet. On crie à leur pouvante comme bouillot crité. Oui, que à son amnique, un bouillon. Elle est plus jalouse que toi. Oui, ma amnique, par lui, tout comme mes chopites. Que peut-être que ne peut jamais Dieu faire. Que peut-être ailleurs on vient dire que de l'autre. Que peut-être as-tu rationné sans arrêt. Que peut-être ce malheureux en haut. Faites attention à vous parce qu'un poussin ainsi pourrait être en bonne farce. Hein. Oui, quelle farce. La visée plus lente de me coster au lieu de la visée douleur pour nos choses. Marie, mais on peut compter Marie. Sérieux? Oui, Marie, il est visage comme une fâche qu'on sac du cul des enfants. Ah, notre Seigneur, bon. Hein. Attention, hein. Mais. Je suis de la famille de Porio. Allez, Pouquet. Un chèque blanc, mal de joue à côte ouverte. Si de joue à côte ouverte, c'est parce que le moulon est vert. Bon, on a dit assez bouger. Mais oui, vous avez dit assez. Allez. Pépé Théodule, Romé Philomène, on applaudit. Oh, merci de tout, madame. Bon. Un mauvais mage, une assiette de boubou. Allez, despêchez vous mangez mon assiette de boubou. En tout cas, vous avez certaines marques ou ne, Léa Pat et Fernand Bajard. Tout maintenant, Christine, on va accueillir une Saki d'Oussi qui a vraiment l'habitude de tout lit du théâtre Wallon.
Et je pense que grand-père t'a dû l'italien souvenir. Italien rit juste d'aussi. Oh! Non, mais qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va venir? Et certé Jean-Paul Piret. Un qui buggy à gaga. Gaïola zozo. Aïeus qu'il est bête. Mais il franiel bugueux. Pouéco, il meurt devant l'ambiance 1900. Et il va s'amener devant les bio de l'Oc de Fosse. Alors on attend Jean-Paul Piret. Les bio de l'Oc de Fosse, en effet. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Christine. Ça va bien? Bah ça va. On a ouvré? Oui, on a fait la force. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un tel de toute façon. Tu ne t'allonges qu'au prêtre. Maintenant ton spectacle, on s'en fout. Elle fosse. Jean-Paul, tu sais qu'il est une ère de 1905 à Bieplay et il va creuser, il va venir libérer petit coup parce que tu vois qu'elle a fait deux, trois belles frisettes, Rosa. Oh, et elle tu sais bien que Félicie, vu que c'est snow, elle vous plaît bien, hein? Mais de ça. On le sert pas roux, hein. Vous êtes amoureuse de lui? Ben, petite miette. Et vous? Une petite? Oh, mais une grosse miette. Il a déjà du monde, on est amoureux d'une petite miette avec Rosa. Il a repoussé hier, hein. Il est bon morceau, hein. Jean-Paul, il a une certaine Félicie qui vous plaît bien. Au poids. Oui. Si tu te vedro. Oui. Dans le bénéfice, mal pièce, tu as pierdu. Ah ben, Jean-Paul, maintenant, avant le final du premier acte qui se finira en 1900, on va te les compter et il certait qu'en 1900, on compte aussi Caroline. Et Caroline, d'aussi pour le Borin, il se transpose et il se loue. Félicie! Félicie! Parce que de ta supplie, que le moulon a dans le pied, un effort qu'un chéri, ça t'y est tout ce bien. Non, un seigneur à manche, qu'un main va te tromper. Fais donc notre visage, un main va t'embrasser. As-tu pardonné, fais-moi de bien aux yeux, as-tu déjà si contrarieux? Félicie, d'un tes cheveux si vieux, trolle de Johnny et de le cri. Oui, vraiment, tu t'as croqué. Félicie, tu es dans du paradis. Félicie, te suis dit que ça de te le dit. Seigneur, un jour de miguette, avec tous ses bijoux, qui me ferait tourner un quête, et y'a met à genoux. Parce que c'est pas brachi, que t'as de qualité, et y'a pour piquerie, c'est qui que doit voter. Tu pardonnes, tu me sais bien, tu dois s'y contrarier. Félicie, Félicie, les mes cheveux si bien crôlent. Sur Jolie, et il crie, oui vraiment, tu as croqué. Félicie, Félicie, tu es nage du paradis. Paradis, Félicie, Félicie, c'est une histoire de maladie. On va demander à l'orchestre, s'il veut bien, de nous jouer le refrain et ce qu'ils vont danser pour permettre aux artistes qui sont en train de se préparer pour le final, pour déjà se mettre à l'ambiance. Alors si Madame Libère et Hubert, bien sûr, les accordionnistes, veulent reprendre le final et ce qu'ils vont danser, parce que ça permettra aux gens dans la coulisse de s'amener tout petit bellement. Alors, à vous autres, et revoir le cul comme il faut. Hein. Ça va d'aller? Bien sûr. Félicie,
c'est unique, ça, de tel dire. Eh bien, on a bien dansé et on a bien canté. Merci Rosa et merci Jean-Paul. Ah ben, on a tellement bien dansé qu'on ne peut pas faire autrement que de finir 1900 par une valse 1900. Alors, une valse qu'on n'est pas Hubert et pas tous les musiciens, pas Marthe et pas Léo, c'est fascination. Ah, alors maintenant, Christine, te baille tout le micro. On va demander à Jean-Michel de nous faire une belle petite ambiance. Et après, autour. Ou bien, Rosa, vous le savez en français? Fascination. Ah ben, vous allez nous faire une fiscale refrain et nous autres nous canterons. Salut, allez. Je t'ai rencontré, pardon, je t'ai rencontré simplement. Et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Je te fuis parfois, mais je reviens quand même. C'est plus fort que moi, je t'aime. Lorsque je souffre, il me faut tes yeux profonds et joyeux afin que j'y meure. Et j'ai besoin pour revivre amour de t'avoir un jour, moins qu'un jour une heure. De te serrer un peu dans mes bras quand mon cœur est là, quand parfois je pleure. Ah oui, mon aimé, mon chéri, mon trésor, mon roi, je n'ai de bonheur qu'avec toi. La 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 la